l'esprit qui est immortel et que l'esprit est incorruptible et immortel, la chair est corruptible et éphémère, elle va mourir. Et la partie qui m'a vraiment, quelque chose que je ne savais vraiment pas, c'est que j'ai appris hier que l'âme est mortelle, qu'après, à la résurrection, on sera des esprits. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir, qui m'a seulement dépassé, qui m'a donné trop de joie, c'est que Jésus est mort, il a tué le péché et que maintenant le péché n'a plus de pouvoir sur moi, que je suis sans péché maintenant. Et que, alléluia! Que je suis sans péché, je suis sainte et que je reviens vêtement glorieux, que un jeune vêtement glorieux. Et ce qui m'a encore marqué encore hier, quelque chose qui m'a marqué tellement, c'est que je sais que Satan est sur mes pieds. Je n'ai pas besoin de bagarrer avec Satan. Je n'ai pas besoin de bagarrer avec Satan parce qu'il est sous mes pieds. Je ne le vois même pas. Donc, c'est la chose que je donne, la chose en fait que je dois faire, c'est seulement adorer mon Créateur. Et j'ai encore retenu en moi, ce qui m'a encore marqué, c'est que l'homme spirituel n'est pas seulement celui qui prie, mais c'est celui qui a la connaissance. Donc, on peut prier, mais on n'est pas. Il faut qu'on ait aussi la connaissance pour pouvoir parler à notre Créateur. J'ai retenu aussi que je ne dois pas fuir le péché. Je ne dois pas fuir le péché parce qu'en fait, on ne se connaît pas. Je suis sainte, je reviens le Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je veux aussi laisser les autres parler. Amen. Wow, tu as retenu assez de choses. Qui veut voir la gloire à Jésus qui a dit de la soeur Tocas? Voilà, quelqu'un veut faire quelque chose à dire de ce qu'il a retenu. Ou bien elle a parlé à votre place. Elle a tout dit. Oui, la soeur Tocas aussi, Talita. Voilà, je commence à connaître les personnes. Shalom, shalom, pour le dire. Bon, ce que j'ai retenu hier, surtout, c'est que l'âme, c'est l'âme qui va aller rendre compte. Par contre, l'esprit retournera à Dieu. Voilà ce qui m'a beaucoup touché. Donc, en fait, et que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver notre esprit, pas pour sauver notre âme. Parce qu'en réalité, c'est l'âme qui rend compte, mais l'esprit retourne au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cela qui m'a beaucoup touché. D'accord, gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons poursuivre. Le thème que nous avons aujourd'hui est la continuité de ce qu'on a commencé hier. Parce que hier, on a parlé de comment nous devons, nous allons vaincre la chair, ses désirs et ses passions. Et dans ce développement, on est tombé sur un concept ou un ensemble de concepts tellement mystérieux, un ensemble de concepts spirituels qui a réveillé certaines connaissances en nous ou qui a réveillé beaucoup de choses qui dormaient en vous. Et il faut qu'on poursuive cela. D'ailleurs, même le Seigneur a prévu tous ces enseignements pendant les 7 jours. Et le Seigneur m'a inspiré de vous conduire ce soir par ce thème. Découvrir le mystère de la résurrection. Découvrir le mystère de la résurrection. Découvrir le mystère de la résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Découvrir le mystère de la résurrection. Qu'entends-tu par mystère et par résurrection? Qui veut répondre? Qu'est-ce que vous entendez par mystère et par résurrection? Mystère et résurrection. Ou bien vous voulez que je continue? Oui, sœur Tabitha. Le frère Joseph aussi a levé le doigt. Ok. Ce que j'entends par mystère pour moi veut dire des choses qui dépassent notre entendement. Maintenant, résurrection parle de la régénération, ça veut dire quitter d'une étape à l'autre. C'est ça la résurrection?
Donc ça, c'est ça le mystère. Mystère. Okay. J'ai dit ceci, mystère, pour moi, le mystère, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Mm-hmm. Oui, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Mm-hmm. Maintenant, la résurrection, pour moi, la résurrection, c'est régénérer, c'est-à-dire quitter d'une étape à l'autre. Mm-hmm. Oui. D'accord. Oui, frère Joseph. Shalom, shalom. Pour moi, mystère, c'est une connaissance cachée. Et résurrection, c'est une transformation encore, un processus qui permet de redonner vie à ce qui était mort. Très bien. Très bien. Très bien. Vous, les deux ont donné une très bonne réponse. Les deux ont donné une très bonne réponse. Quand on parle de mystère, on fait allusion à quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas révélé à la grande masse, c'est-à-dire ce que plusieurs et tous ne connaissent pas. Un mystère, c'est quelque chose qui a été voilé, qui a été caché, mais qui nécessite être dévoilé ou être vu ou être connu. Le mystère, c'est aussi ce qui est caché aux sages de ce monde, ou ce qu'on a verrouillé, ce qu'on a scellé, ce que Dieu a scellé lui-même de sa propre décision, de sa propre autorité, pour que personne ne puisse déceler cela, pour que personne ne puisse connaître cela. Le mystère est ce qui est insondable par la connaissance humaine, par la réflexion de l'homme. Le mystère, c'est comme cette barrière qui empêche l'homme de connaître des choses qui ne sont pas en réalité de sa connaissance à lui. Ça veut dire quoi? Nous, nous sommes dans un corps qui nous limite à une certaine connaissance. C'est comme le corps que nous portons nous permet de connaître certains éléments très simples, très basiques. Mais le mystère entre dans la dimension où il faut qu'on nous ouvre les yeux avant qu'on ne puisse découvrir ou avant qu'on ne puisse connaître. Donc le mystère, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est couvert, qui nécessite d'être dévoilé et d'être vu. Et beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens, beaucoup de grands, beaucoup de sages ont fait des recherches, ont fait des sondages pour découvrir des mystères, pour connaître des mystères, mais ne sont pas arrivés à connaître tous ces mystères. Et l'un des plus grands mystères que l'homme ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui et que l'homme ne peut découvrir, c'est le mystère de la mort. C'est la mort qui est le plus grand mystère qui a été voilé aux hommes, que le Seigneur a voilé et dont il a empêché les hommes de connaître comment se passe le processus de la mort, comment se passe la mort et comment l'homme quitte cette vie pour rejoindre une autre et qu'on appelle la mort. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Et quand nous parlons du mystère de la résurrection, il faut que nous vous parlons aussi du mystère de la mort. Parce que ce n'est pas la mort que la résurrection intervient. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Donc la résurrection vient quand il y a la mort. Donc la mort vient avant et la résurrection vient après. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses qui ont été cachées, ce sont des choses qui ont été voilées, et que Dieu a caché lui-même, mais qu'il révèle uniquement à ceux qui l'aiment. Regardez comment l'amour intervient en voilà. Dieu révèle les choses cachées à ceux qui l'aiment, à ceux qui recherchent Dieu par amour. Ceux qui l'aiment, ceux qui le cherchent, c'est à eux qui ouvrent les choses cachées. C'est pourquoi Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu as caché toutes ces choses
à ceux qui se disent les sages, les connaisseurs, les intelligents, mais qui, et que tu les as révélés aux petits-enfants, aux enfants qui sont à la Babel. Pourquoi? Les enfants sont ceux qui sont humbles. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un me naît de nouveau, vous me devenez comme un petit enfant, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu dont il parle, c'est qu'il ne peut jamais avoir accès au mystère de Dieu. Il ne peut jamais découvrir les mystères de Dieu. Pourquoi? Les mystères de Dieu sont cachés et se découvrent uniquement par ceux qui ont le cœur humble et ceux qui cherchent Dieu et recherchent Dieu et aiment surtout Dieu. Alléluia. Et le Dieu d'Israël que nous servons est un Dieu qui a l'habitude de se cacher. Il se cache, mais il se révèle à ceux qui le cherchent. C'est pourquoi il demande qu'on puisse le chercher lorsqu'il est temps. Donc Dieu se trouve dans la cachette. Et c'est ça qui fait de lui, lui donne l'honneur d'être Dieu. Pourquoi l'homme ne peut pas connaître Dieu? C'est pourquoi on dit qu'une personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils qui est au sein du Père qui a fait révéler Dieu pour qu'on puisse maintenant connaître Dieu. Donc le Fils est la révélation du Père. Le Fils est celui qui révèle les choses cachées. Donc le Fils, c'est la révélation de Dieu. Donc le Fils se trouve en Dieu. C'est pourquoi lorsque tu accèdes au Fils, tu connais déjà Dieu. Lorsque tu accèdes à Jésus, tu connais les mystères que Dieu lui-même a cachés, qu'il a gardés secrets pour que personne ne puisse les connaître. Nous savons tous et nous connaissons tous l'histoire de Adam, l'histoire de Ève, qui a été créée dans Genèse 1, 26. Dieu fit l'homme selon son image. Dans Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu lui donna la vie et l'homme devient une âme vivante, un être vivant. Et au fil du temps, dans Genèse 3, l'homme a commis des péchés. Et à cause du péché que l'homme a commis, la mort a intervenu. La mort est venue pour maintenant enlever la vie que l'homme avait auprès de Dieu. Parce que l'homme était connecté à Dieu et à cause de son péché, l'homme ne peut plus vivre et à une durée indéterminée, mais les durées de vie de l'homme ont été restreintes. Et dans Genèse 3, vous pouvez voir tout ce qui est arrivé. Genèse 3, à partir du verset 15, là où il a parlé du serpent qui va mordre le talon de Ève, la femme, et de la femme qui va aussi briser sa tête, et de beaucoup d'éléments, et toutes les malédictions qui ont accompagné la désobéissance de l'homme. Et par cette désobéissance, l'homme a entraîné la mort dans le monde. Donc c'est par lui, en réalité, que la mort est venue. C'est pourquoi dans Romains 6, 23, on dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et dans Romains 5, 14, il nous est dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de ce qui devait venir. Ça veut dire quoi? La mort a régné sur tous les hommes. Pourquoi? Tous les hommes sont sortis de Adam. C'est pourquoi on dit, même ceux qui n'ont pas commis un péché qui soit semblable au péché d'Adam. C'est-à-dire, ils n'ont pas commis de péché comme Adam. Ils n'ont pas désobéi à Dieu. Ils ont pratiqué la justice, mais Dieu les a trouvés pécheurs. Et à cause de ce péché d'Adam qui est devenu un gène dans le sang de l'homme, dans l'humanité, tous les hommes ont hérité de Adam la mort. Donc tous les hommes, par Adam, sont morts. Ils sont pécheurs et Dieu les déclare tous pécheurs, transgresseurs de la parole de Dieu, transgresseurs de la loi de Dieu. Puisque Adam a été le premier qui a transgressé le commandement que Dieu lui avait donné. Donc la mort avait régné sur le monde depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est pourquoi lorsque Moïse est venu, Dieu lui a donné des tables de loi. Et le but de Dieu, c'était d'empêcher la mort de continuer à régner.
Parce que l'homme avait toujours la conscience de la mort. L'homme était faible devant la mort. L'homme était retenu par la mort et l'homme n'était pas délivré de la mort. Donc, Dieu a envoyé Moïse et c'est pourquoi il lui dit, celui qui pratiquera toute cette loi vivra par elle. Parce que c'est dans cette pratique qu'il est censé trouver la vie. Et l'objectif de Dieu, c'était de rétablir ce qui avait été perdu. Cette vie qui avait été perdue par Adam dans le jardin et par sa femme Ève aussi, Dieu avait pu le restaurer cela. C'est pourquoi il a détruit l'ancien monde par le départ, lorsqu'il a appelé Noé au temps de Noé, l'ancien monde qui avait aussi péché, Dieu les a détruits parce qu'ils ont poursuivi ce que Adam a fait. Et en même temps, le péché était encore beaucoup plus dominant. Le péché dominait encore beaucoup plus le monde. Et le péché continuait à régner. Donc Dieu, voulant toujours finir avec le péché, et surtout la mort, parce que c'est le péché qui a engendré la mort. Quand on parle du péché quelque part, sachez qu'on parle de la mort. Donc Dieu voulant régler ce problème, au fil du temps, a envoyé aussi ses prophètes, a envoyé aussi ses serviteurs. Mais le problème du péché n'était pas toujours résolu. Le problème de la mort n'était pas toujours résolu. Donc tous les hommes étaient voués à la mort. Tous les hommes étaient déclarés comme morts aux yeux de Dieu. Alléluia. Et le monde entier était comme dans un désastre. Les hommes n'avaient pas d'issue. Ils savaient tous que leur sort, c'est qu'ils vont naître, ils vont vivre pour un temps et ils vont disparaître. C'est pourquoi l'Église a dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps, il y a un temps pour vivre, il y a un temps aussi pour mourir. Et tout ça est venu et a été engendré par le péché qui est venu dans le monde. Alléluia. Mais Dieu, voyant toutes ces choses, n'a pas laissé son peuple, n'a pas abandonné son peuple pour que la mort règne sur son peuple, pour que la mort règne sur l'humanité. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que c'est par Moïse que la loi est venue. Et la loi était censée enlever le pouvoir du péché qui a engendré la mort. Mais la loi aussi, à son tour, n'avait pas réussi à vaincre le pouvoir du péché pour annuler la mort et pour anéantir la mort. Donc, la mort a poursuivi aussi après à Moïse. La mort régnait aussi. Quand on parle de cette mort, ce n'est pas seulement la mort du corps où on va mourir, on va nous enterrer. Il y a plusieurs types de morts. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a aussi plusieurs types de résurrection. De même qu'il y a plusieurs types de morts, il y a plusieurs types de résurrection. Et le Seigneur m'a aidé à relever les trois types de morts et les trois types de résurrection possibles que l'homme peut avoir ou mais qui existent. Les trois types de morts et les trois types de résurrection. Parce que c'est les trois types de morts ou les trois morts qui ont engendré les trois formes de résurrection. Alléluia. Nous avons la mort du corps. Ou la mort, oui, la mort de notre corps, le corps physique, qui est matériel et aussi charnel. Nous avons la mort de l'esprit. L'esprit de l'homme. L'esprit humain que nous avons. Nous avons la mort de l'esprit de l'homme. Et nous avons la mort définitive qui est la mort éternelle. Ça veut dire quoi? L'homme meurt dans son corps. Mais bien avant qu'il ne meure, il est possible qu'il meure dans son esprit avant de mourir dans son corps. Et celui qui est mort dans son esprit ou qui a connu la mort de l'esprit et qui n'est pas ressuscité connaîtra aussi la mort éternelle. Puisque l'esprit étant mort et l'esprit étant éternel, cette personne est morte éternellement. Donc il n'y a plus de recours pour cette personne, il n'y a plus de repère, il n'y a plus de refuge, il n'y a même plus de salut pour cette personne-là. Donc le Seigneur est capable de donner vie
à ces trois catégories, ou bien ces trois parts, ces trois différents concepts sur la mort. Si quelqu'un a connu ces trois différents, différentes parties, ou bien différents concepts ou types de mort que je suis en train de définir, le Seigneur est capable de lui redonner la vie. Mais il faut que cela commence d'abord par un processus. Et c'est sur cela que nous allons beaucoup parler. Nous allons parler de la résurrection miraculeuse qui concerne la mort dans le corps physique. Puisque nous parlons du mystère de la résurrection qui est une puissance par laquelle Dieu vient se démontrer. Et Dieu vient montrer qu'il est surnaturel. La résurrection miraculeuse. Écris ça. La résurrection miraculeuse vient faire quoi? Vient annuler la mort dans le corps physique. La résurrection miraculeuse que Dieu apporte a pour but de montrer que Dieu a le pouvoir sur la mort dans le corps de l'homme. Donc les trois différentes formes de résurrection que je vais vous présenter sont en réalité la preuve que Dieu a le pouvoir sur toute forme de mort que l'homme peut expérimenter, que ce soit sur la terre, que ce soit spirituellement ou que ce soit encore éternellement. Donc Dieu peut, avec son pouvoir et sa puissance, ranimer ou donner vie à tout ce qui est mort, soit dans notre dimension terrestre, humaine, c'est-à-dire notre corps, soit dans notre dimension spirituelle, que c'était appelé encore la dimension éthérique, ou encore dans notre dimension éternelle, qui est l'essence même de l'humanité. Alléluia. Nous devons comprendre que la résurrection est l'acte ou le moyen par lequel une personne ou une chose revient à la vie. Une chose qui est déjà morte, ou une personne déjà morte, ou un être qui était animé par le souffle, qui contenait la vie, qui dégageait la vie, qui soit mort, soit aussi ramené à la vie. Quand on parle de la résurrection dans son propre, dans son sens étymologique, ou dans son sens propre, on voit l'air qui est tombé, ou bien une air qui a perdu sa force, qui a perdu sa vigueur, mais qui par un miracle peut être encore relevé. Quand vous voyez les ailes des champs, vous pouvez voir des ailes qui meurent, ou encore des ailes qui vivent, et vous sentez que cette herbe porte une vie. Une vitalité se trouve dans cette herbe. Donc, quand une herbe meurt, et aussitôt, ou bien après quelques instants, après quelques temps, revient comme étant, ayant toute sa vitalité, on parle de résurrection. Donc, la résurrection concerne toute chose qui a la vie en elle, ou tout élément qui est animé, soit un homme, soit une chose, soit un animal, soit un végétal, ou encore tout ce qui porte la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui a le souffle, tout ce qui a la vie peut mourir et peut être encore ramené à la vie. C'est là qu'on parle de résurrection. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Ecclésiaste 9. Vous allez le prendre, Ecclésiaste 9, le verset 4. La résurrection miraculeuse. Oui. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, je le nom Jésus. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire
dit quoi? La vie est la chose la plus importante que l'homme peut posséder. L'homme, ce qui le maintient, ce qui est son honneur, ce qui lui fait du bien, ou ce qui est le plus important, c'est qu'il soit vivant. Lorsque l'homme meurt, il n'a plus de gloire, il n'a plus de bonheur, il n'est plus lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a perdu toute sa vitalité, toute sa mémoire est effacée, toutes ses connaissances sont effacées. Mais on nous dit que pour un vivant, il y a de l'espoir. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà pourquoi nous devons toujours opter pour la vie et non pour la mort. Et Dieu, le Dieu que nous adorons, a le pouvoir, a la capacité de ramener à la vie tout ce qui est déjà mort ou tout ce qui a perdu sa vitalité en nous. Nous devons savoir, comme je viens de le dire, que la résurrection est une puissance et c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La résurrection miraculeuse est la manifestation non seulement de la puissance de Dieu, mais aussi de l'amour de Dieu, et aussi de la compassion de Dieu, aussi de la miséricorde de Dieu envers celui qui est mort. Cette résurrection miraculeuse concerne notre partie visible, notre partie physique, notre partie qui est corporelle et notre corps matériel. Je parle de cette résurrection qui est juste un miracle que Dieu produit. C'est là on dit, voilà, cette personne est morte et Dieu l'a ressuscité. Elle est revenue à la vie, elle est ramenée à la vie. Ça, c'est une résurrection qui concerne la partie physique de l'homme. Parce que l'homme peut mourir dans son corps, l'homme peut mourir aussi dans son esprit. Ou l'homme peut mourir charnellement et l'homme peut aussi mourir spirituellement. C'est les deux notions de mort qui existent. La mort spirituelle, la mort charnelle dans la chair. Et quand je parle de cette chair, vous comprenez déjà, c'est pas d'abord la mort de la chair du péché, mais la mort de la chair du corps que l'homme porte. Parfois, on vous parlera de la chair, mais on va définir la chair comme étant ce corps que vous voyez. Mais parfois, on parlera de la chair et on va mettre ensemble ou on va associer le corps et l'âme. Ça dépendra de ce, dans le contexte dans lequel on est en train de vous parler de la chair. Et si vous êtes réellement concentré ou en esprit, vous allez comprendre de quel type de chair qu'on est en train de parler. Alléluia. Nous allons voir dans l'Écriture comment le Seigneur, par sa puissance et aussi la démonstration de son amour, de sa compassion, a ramené à la vie des personnes qui sont mortes, des personnes qui sont mortes selon le corps, selon la chair. Et ces personnes ont été visitées divinement et ont bénéficié de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous allons lire l'histoire de Lazare dans le livre de Jean. Jean 11, le verset 21. L'histoire de Lazare que nous connaissons tous. Mais nous allons survoler et aller sur les bonnes choses. Jean chapitre 11, verset 21, je vous le nom de Jésus. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mm-hmm. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mm-hmm. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez comment Marthe veut être plus intelligent que le Seigneur, qui a compris pourquoi je dis ça. On dit, le Seigneur lui dit, ton frère ressuscitera. Mais elle dit, non Seigneur, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Donc, il y a déjà un autre concept qu'elle est en train d'émettre. Le Seigneur dit, ton frère
ressuscitera. Mais elle dit non, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Parce que pour elle déjà, elle ne concevait pas que Jésus était capable de ressusciter le corps mortel qui est mort, le corps de Lazare, son frère, qui est mort. Elle, pour elle, c'est seulement, Dieu est seulement capable de ramener à la vie tous ceux qui sont morts au jour de la résurrection de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a une résurrection qui attend tous les morts et il y a aussi une résurrection qui peut être manifestée ou bien qu'on peut vivre étant encore sur la terre ou dans le temps ou dans un concept où le temps ne s'est pas encore arrêté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quoi? On peut vivre une forme de résurrection maintenant et ça ne veut pas dire que tous sont morts. Mais ça veut dire uniquement que quelqu'un qui est mort aujourd'hui peut être ressuscité et ramené à la vie par Dieu. Il y a aussi une autre résurrection qui attend tous les morts, tous ceux qui sont morts, où plusieurs morts ressusciteront ensemble. Donc ça sera comme un moment de résurrection massive, où tous les morts reviendront à la vie. Donc, le Seigneur parle de la résurrection du corps, mais Marc ici dévance le Seigneur et ouvre encore le sujet et parle de la résurrection des morts. Et nous allons parler aussi de cette forme de résurrection. Vas-y. Jésus lui dit, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marthe, sa sœur, et lui dit, Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, les anges se levaient promptement et sortit, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu fosses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. C'est pourquoi je parle de la manifestation de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Jésus a pleuré parce qu'il avait quoi? Il avait? Parce qu'il avait une âme. Voilà, Jésus a pleuré parce qu'il avait une âme. Quand Dieu porte le corps et que Dieu entre dans la dimension des hommes, il peut pleurer, il peut rire, il peut faire ce que le corps, ce que l'homme charnel aussi peut faire. Ça, c'est des deux jeux de l'homme charnel. Et ce, ça ne fait pas de lui un pécheur, mais c'est parce qu'il est composé de chair aussi en ce moment qu'il a pleuré et les larmes sont sorties de ses yeux. C'est pourquoi on a percé son côté, le sang et l'eau sont sortis. Parce que quelqu'un qui meurt, c'est l'eau et le sang qui restent en lui. Le sang se coagule et devient un sang qui n'est pas vivant. Mais le sang de Jésus est plus vivant que tous les autres saints. Acclame au Seigneur Jésus. Continue. C'est quoi? Oui. Les gens disent, voyez comme il est. Voyez comme il est. Et quelques gens d'entre eux disent, oui. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, oui. Ne pouvait-il pas le faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà.
Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle n'avait pas la foi. Et cette foi qu'elle n'avait pas était comme ce grain, je ne sais pas comment je le dis, cette pierre qui était sur le tombeau de Lazare. Spirituellement, la même pierre est représentée. Et qu'est-ce qui empêche d'être ressuscité en esprit? C'est le manque de foi. C'est lorsqu'on n'a pas la foi qu'on jette comme une pierre sur notre cœur, une pierre sur notre vie, pour ne pas vivre des choses surnaturelles avec Dieu. C'est pourquoi tu dois commencer à manifester la foi à partir d'aujourd'hui. Ta foi doit grandir. Parce que ce n'est pas la foi que tu vas démonter l'indémontable. Ce n'est pas la foi que tu vas vivre surnaturel avec Dieu. Jésus était en train, c'est un événement par lequel Jésus a enseigné Marthe, a enseigné les sœurs de Lazare, pour leur dire, vous devez avoir la foi. Jésus n'était pas forcément censé faire ce miracle, il pouvait laisser. Mais il l'a fait pour montrer sa puissance et pour montrer que par la foi, nous pouvons avoir accès à tout ce que nous demandons de Dieu. La foi peut ramener à la vie tout ce qui est mort, tout ce qui n'existe pas, ou tout ce qui n'est pas remonté à la connaissance humaine ou même à l'intelligence de l'homme. C'est ça le mystère de la résurrection. Quand elle se produit, elle donne une force, elle donne une foi tellement inébranlable à ceux qui la vivent, ceux qui reçoivent cette résurrection. Imaginez que le Seigneur, une personne, on nous apporte une personne qui ne vit plus, qui dont le souffle a été ôté. Et par la prière, le Seigneur ressuscite cette personne. Ceux qui vont l'amener aussi vont se convertir. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la puissance de Dieu. Ils vont voir comment Dieu est amour. Ils vont voir comment Dieu est compatissant. Comment Dieu peut sauver. Et ils sauront que ce Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu vivant. À partir d'aujourd'hui, par ta foi, le Seigneur peut me ressusciter des morts. Pas dire à ton frère, par ta foi, le Seigneur va ressusciter les morts. Jésus a dit simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te l'ai dit, si tu crois, c'est parce que plusieurs ne croient pas qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. Ils veulent, mais tellement que c'est impossible pour eux, ils ne croient pas. Le Seigneur dit, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Et cela est possible par quoi? Cela est possible uniquement par la foi. Et par la foi, Dieu opère de grandes choses. Continue. Et Jésus fait quoi? Il se porte la pierre. Oui. Et Jésus le voit les yeux. Il se tait la pierre. Donc, il y a aussi quelque chose là. Tant que la pierre n'est pas ôtée, Jésus ne pouvait pas parler à Lazare. Il faut que la pierre soit d'abord ôtée avant que Lazare n'entende la voix de Dieu. C'est pourquoi même avant que Jésus lui-même le ressuscite, il est écrit que les anges de Dieu, un ange de l'Éternel, du Seigneur est descendu et a d'abord roulé la pierre, a ôté la pierre avant que le Seigneur ne sorte. Parce que cette pierre était comme un embargo qui gardait la vie du Seigneur toujours dans les lieux de la mort. Il y a aussi cette pierre aujourd'hui qui est représentée spirituellement, qui n'est pas une pierre physique, qui n'est pas une pierre que l'on peut voir avec les yeux, mais qui est une pierre spirituelle, qui est l'ensemble des ressentiments, l'ensemble des forteresses, l'ensemble des choses qui sont en réalité sur, qui sont dans l'esprit de l'homme et qui empêchent l'homme de vivre des choses glorieuses, des choses extraordinaires, des choses excellentes, des choses précieuses avec Dieu. Et cette pierre doit être ôtée avant que l'Esprit de Dieu le commence à agir réellement dans ta vie et avec toi. Tant que cette pierre n'est ôtée, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Et tu ne vivras jamais le miracle avec Dieu. Et la pierre doit être enlevée. La pierre doit être ôtée pour que ton esprit soit ouvert. Pour que le mort entende la voix. Jésus dit, l'heure est arrivée pour que les morts entendent la voix du Fils de Dieu. En tout cas, c'est dans la suite aussi, nous allons voir ça. Et
levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés du pain, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croirons en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et nos nations. C'est bon. Quand la résurrection se produit, le miracle de Dieu se manifeste. Donc, par la résurrection, on voit un Dieu puissant qui agit. C'est pourquoi je l'ai appelé la résurrection miraculeuse. Une résurrection qui montre Dieu, qui montre comment la compassion de Dieu se manifeste. D'une autre manière, une compassion ou bien un amour qui vient libérer, qui vient ôter quelque chose pour donner vie. Et c'est ce qui est arrivé à Lazare. Même dans Matthieu 9, nous avons aussi l'histoire de la fille de Jaïrus qui aussi était morte et que le Seigneur avait également ressuscité. Le Seigneur parle toujours par la foi. Quand il est venu, il dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il a dit, sortez. Ces gens qui étaient là aussi représentaient aussi comme la pierre qui empêchait la fille d'être ressuscitée. Il y a de ces choses que Dieu veut faire, mais il ne veut pas les faire en public. Il faut qu'il les fasse dans la cachette pour que ces choses puissent s'opérer et se manifester. C'est pourquoi quand tu pries, le Seigneur te dit, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est dans Matthieu 6, entre dans ta chambre et ton Dieu qui se trouve dans la chambre, dans le lieu secret, va t'écouter. Qui a compris ce verset? Entre dans ta chambre et le Seigneur qui, le Père qui se trouve dans ta chambre ou bien dans le lieu secret, va t'écouter et va t'exaucer. La chambre dont on parlait en réalité, ce n'est pas une chambre physique ou bien une chambre où on entre, où on se repose sur le lit. Mais la chambre, c'est notre cœur. Donc Dieu veut que nous lui formulions des prières dans notre cœur pour qu'il puisse les exaucer. Pourquoi? Dieu se trouve dans notre cœur. Donc ce n'est pas dans la chambre que Dieu se trouve, mais c'est dans ton cœur que Dieu se trouve. Donc le cœur que Dieu t'a donné, c'est cette chambre où tu dois te cacher pour prier. C'est pourquoi tes prières, tu ne dois pas les laisser entendre par plusieurs personnes. Tu as prié, mais tu dis ce que tu as demandé à Dieu, à tout le monde. L'exaucement va tarder. Pourquoi? Parce que des esprits l'ont entendu. Tu as alerté les gens, tu as donné l'information, tu as divulgué l'information et l'exaucement commence à tarder parce que tu as livré les choses. Et il dit, entre, ferme ta porte. Le fait de fermer la porte, c'est quoi? C'est d'être convaincu, c'est de céder les paroles, d'être sûr que ce qu'on a dit est resté secret entre nous et Dieu et que Dieu va l'accomplir également pour nous. Alléluia. Donc, cette histoire de Lazare nous montre combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu est puissant, et Dieu peut donner vie à ce qui est déjà mort et ce qui n'existe plus, ce qui n'a pas de vie. Et cette résurrection de Lazare concernait le corps. Donc Lazare est mort, c'est son corps qui était inanimé, le souffle l'a quitté, Lazare ne vivait plus. Et Jésus a ramené le souffle, c'est-à-dire Jésus a ramené l'âme de Lazare dans le corps de Lazare. Et c'est là que Lazare est redevenu encore une âme vivante. Lazare est devenu encore un être vivant sur la terre. Parce que son âme qui n'était plus là est ramenée à la vie. C'est-à-dire son âme est retournée dans le corps, dans la matière qui était déjà mort. Donc c'est aussi un symbole pour nous montrer comment est-ce que Dieu peut nous accorder
la résurrection dans notre esprit. Parce que si le corps peut mourir, l'esprit aussi peut mourir. Si le corps charnel peut mourir, l'esprit qui vient de Dieu, que nous avons reçu, aussi peut mourir. Et Dieu est aussi capable de donner vie à notre esprit, de même qu'il a donné, qu'il peut donner vie à notre corps ou à notre chair qui est mort. Alléluia. Nous avons donc la victoire sur la mort par Jésus, par le pouvoir de la résurrection qui est en Jésus-Christ. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1, le verset 3. 1 Pierre 1, le verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Nous allons parler de la résurrection du corps, qui est une résurrection miraculeuse, où la puissance de Dieu se manifeste de façon visible. Maintenant, nous allons voir la résurrection de l'esprit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait quoi? Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts. On dit que Jésus est ressuscité des morts. Mais ce n'est pas la résurrection de Jésus dans les morts que nous avons été régénérés. Par une espérance vivante. C'est-à-dire en ayant foi en la résurrection de Jésus. C'est ça l'espérance vivante. L'espérance en la vie de Jésus. C'est pourquoi on dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts donnera aussi la vie à ton corps mortel. Donc, l'espérance de la vie est ce qui nous permet d'être régénérés ou d'être ressuscités dans notre esprit. Donc, quand on parle de la résurrection de l'esprit, on parle de la régénération ou du renouvellement de l'esprit ou du changement de l'esprit ou de la renaissance de l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de l'homme peut mourir. Et ce qui amène la mort de l'esprit de l'homme, c'est le péché. Nous l'avons vu dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort concernait l'esprit de l'homme. L'homme est mort à cause du péché qu'il a commis. Et Dieu maintenant est capable, par l'espérance vivante, par la foi en Jésus, de redonner la vie à l'esprit de l'homme qui est en lui et qui était déjà mort à cause de la naissance de Adam ou de la naissance adamique qui était en lui. Donc tous ceux qui ont la naissance adamique, qui ont la naissance de Adam, sont considérés comme des personnes mortes aux yeux de Dieu. Ils sont morts aux yeux de Dieu, ils sont vivants, ils marchent avec nous, ils mangent, ils travaillent. Ils ont l'argent, ils vivent bien leur vie, mais en réalité, devant Dieu, ils sont morts. Pourquoi? Leur esprit n'a pas été ranimé. Ce que Jésus a fait à Lazare, que nous venons de lire, il faut qu'il le fasse de même à tous les hommes, mais pas à leur corps mortel, mais à leur esprit qui est mort par le péché originel. Donc, même si toi tu n'as pas péché aujourd'hui, même si tu n'as pas tué, même si tu n'as pas désobéi, Dieu te voit comme péché ou pécheur à cause du corps de Adam. C'est pourquoi on parle de représentant. Je dis souvent c'est une question de positionnement ou de représentation. Adam est le père des pécheurs et Jésus est le père des saints ou bien des justes. Donc tous ceux qui sont issus de la naissance ou bien d'une naissance semblable à celle de Adam sont des pécheurs parce qu'ils sont des hommes charnels et ils ne peuvent pas vivre les choses de Dieu parce que leur esprit est mort à cause du péché. Leur esprit est inacte, leur esprit n'est pas inanimé, n'est pas animé plutôt. Leur esprit est toujours dans le sommeil. Ils vivent, mais ils ne vivent pas selon Dieu. Donc, par la
foi et l'espérance vivante que nous avons en la résurrection de Jésus, ou en ce que Jésus est sorti du tombeau, Jésus est ressuscité, nous aussi, nous pouvons être ramenés à la vie. Et le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin comme vous le ciel et la terre. Il disait ça aux enfants, au peuple d'Israël. Lorsqu'il leur donnait les lois, il dit, choisis la vie et non la mort. Dans Deutéronome 30, 19, dit, j'en prends aujourd'hui à témoin comme vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc Dieu lui-même savait que la mort existait et la vie existait. Et Dieu lui-même a mis la mort et a placé la mort et a placé la vie devant l'homme. Donc, il y a une question qui doit être suscitée. D'où vient la mort? Pourquoi est-ce que Dieu met devant l'homme la mort et la vie? Puisque nous savons que Dieu est la vie et Dieu nous donne seulement la vie. Tout ce qu'il y a vient de la vie. Tout ce qui existe, toutes les créatures ou la création de Dieu est sortie de la source de la vie. Mais Dieu met la mort et la vie devant l'homme. Est-ce que c'est le diable qui met la mort devant l'homme? Est-ce que c'est le diable? Ou bien, il prend moi le verset de Deutéronome 39. Dieu détient en réalité la mort et il détient aussi la vie. Il a les clés du séjour des morts entre ses mains. Oui. Deutéronome chapitre 30, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives. Moi, Dieu, j'ai mis devant toi la vie et j'ai aussi mis devant toi la mort. Pourquoi? La transgression était déjà dans le monde. Et cette vie et cette mort qu'il avait mis devant eux, c'était d'abord la connaissance de l'arbre du bien et de la mort, et aussi l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Il y avait deux grands arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et de la mort est cette mort que Dieu met devant l'homme. Et l'arbre de la vie est cette vie que Dieu met devant l'homme. Donc quand on parle de la connaissance du bien et de la mort, on est en train de parler simplement de la loi ou de la chair. Et quand on parle de l'arbre de la vie, on parle de la loi de l'esprit de vie. Et on parle de l'esprit. C'est pourquoi le diable a dit, Dieu lui-même sait que si vous mangez, vous mourrez. Il sait que si vous mangez, vous serez semblable à lui, pas vous mourrez. Et le voile qui était sur vous sera ôté et vous serez comme des dieux. Oui, ils auront la connaissance de toutes ces choses, mais ce n'est pas cette connaissance qu'ils mourront. Donc la mort n'est pas une bonne chose. Mais Dieu, connaissant l'homme et sachant comment il a créé l'homme, il a mis cette portion, cette faculté en l'homme qui fait que l'homme doit être soumis à un examen où il doit faire le choix de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas, de ce qui est bon pour lui ou de ce qui n'est pas bon pour lui. Et il doit être responsable de ce qu'il fait. Donc Dieu met l'homme devant sa responsabilité. C'est pourquoi vous devez mettre vos frères et vos soeurs devant leur responsabilité. Quand un frère commet un péché ou fait quelque chose, il faut le mettre devant la responsabilité. Ça veut dire quoi? Parle-lui des conséquences que cela engendre. Si devant les conséquences, il continue, il mourra. Et toi, tu as dit toi. Mais si il a écouté ta voix et il a pris sa responsabilité pour ne pas vivre les conséquences ou bien les inconvénients, alors il vivra. Pourquoi Dieu nous laisse toujours le choix de choisir soit le bien ou de choisir le mal? Donc Jésus, dans Apocalypse 1, lorsqu'il s'est révélé à Jean, il dit, j'étais mort,
Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens entre mes mains les clés du séjour de la mort. Il tient les clés du séjour de la mort. Il a vaincu la mort. Et nous qui sommes en lui, la mort n'a pas aussi de pouvoir sur nous. C'est pourquoi par la foi en lui et en croyant qu'il est ramené à la vie ou qu'il est ressuscité, nous en même temps spirituellement, c'est automatique. Dieu opère quelque chose en nous qu'il a appelé la régénération ou qu'il a appelé le renouvellement de notre esprit ou la résurrection de notre esprit. Donc nous ne serons plus comme Adam, mais nous serons comme Jésus. Il y a un événement qui m'a marqué beaucoup et dont je veux que nous parlions ce soir. Ça se trouve dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37, je vais voir Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Il dit, écoutez-moi la parole de l'Éternel. De même que la parole de Jésus avait parlé aux morts qui étaient dans le tombeau, c'est-à-dire Lazare. Le sang me dit quoi? Lorsque Dieu veut ressusciter ou bien donner vie à quelque chose qui était mort, il lance sa parole. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre spirituellement si vous êtes déconnecté de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qu'on est nourri à la source. Parce que l'homme est issu de Dieu. L'homme est on peut dire l'homme est Dieu en réalité. L'homme est l'essence. L'existence de l'homme est la preuve que Dieu existe. Ou bien que Dieu est Dieu. Donc nous sommes des dieux, mais nous ne sommes pas dieux à l'image, ou bien nous ne sommes pas dieux dans toute la faculté que Dieu a, ou dans toutes les capacités de Dieu. Mais nous sommes aussi des dérivés de Dieu. Nous sommes des petits dieux, si je peux le dire. Merci. Amen. Oui. Donc la parole de Dieu d'abord doit sortir pour que les morts reviennent à la vie. Pour que le mort revienne à la vie. Donc Jésus dit à Lazare, il dit d'abord ôtez le tombeau, ôtez la pierre tombale. Il dit Lazare, sors de ce tombeau. C'est cette même parole qui a retenti ici dans Ézéchiel 37, où Dieu disait, l'Éternel disait à Ézéchiel de parler et de dire ainsi parole de l'Éternel. Parce que l'esprit de l'homme n'écoute que la voix de l'Éternel. L'esprit de l'homme n'écoute que la parole de Dieu. Parce que Dieu est en lui et il reconnaît Dieu. C'est pourquoi on dit l'esprit de l'homme recherche Dieu. L'esprit de l'homme cherche Dieu. L'esprit de l'homme veut se connecter à la divinité. Parce que l'esprit grand et l'esprit petit ont une connexion entre eux. C'est-à-dire l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Donc quand quelqu'un est déconnecté de Dieu, c'est son esprit qui a reçu un coup. Ou qui est dans un processus de mourir. C'est pourquoi lis la Bible tout le temps, lis la parole tout le temps. Tu vas réanimer ton esprit. Ton esprit, tu vas lui donner de force spirituellement. Il sera fort. Il ne sera plus faible. Parce qu'il entend chaque jour les paroles de Dieu. Il entend chaque jour les paroles de l'Éternel. Continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces jours. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai des nerfs. Je vais croire sur vous. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croire sur vous de la chair. Les nerfs et la chair, il parle là, c'est l'âme en réalité. L'âme et le corps. Parce que l'âme se trouve dans les nerfs de l'homme. Vas-y. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau.
ancienne connaissance ou compréhension que tu avais, c'est que la chair directement est la peau, mais est synonyme de peau, n'est-ce pas? Mais Dieu dit ici, je vais vous donner des nerfs, je vais vous donner une chair, et je vais ajouter la peau. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire quoi? La chair vient, les nerfs viennent, et la peau s'ajoute maintenant. Donc la peau n'est rien en réalité. La peau c'est la matière. La peau c'est comme la couverture de la Bible, ou la couverture, l'écran d'un portable, ou la couverture de l'enveloppe où on dépose les millions, ou la banque qui contient l'argent. Or, c'est pas la banque qui est quelque chose, mais c'est les millions ou le billet ou l'argent qui se trouve dans le compte bancaire que nous avons. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas la peau qui est importante, mais Dieu va apporter la peau parce qu'il voulait donner vie à ces personnes pour qu'ils soient vivants et qu'ils retrouvent leur vitalité sur la terre. C'est pourquoi il faut qu'il leur donne la peau et aussi d'abord les nerfs. Parce que les nerfs sont les constituants de l'âme. Parce que les nerfs se trouvent aussi dans le sang de l'homme. Oui. Je vous couvrirai de peau. Oui. Je mettrai en vous un esprit. Ah! Est-ce que vous comprenez? Et je mettrai maintenant en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Cet esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de l'homme que Dieu va mettre en eux. Je vous couvrirai de chair, je vous couvrirai de peau et de nerfs, mais je mettrai en vous un esprit. Oui. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Mm-hmm. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici le vent des nerfs, la chair crée, oui. La peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. Hein? Oui, continue. Oui. Prophétise et parle à l'esprit. Oui. Prophétise, fils de l'homme. Oui. Et dit à l'esprit. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents. Il souffle sur ses morts. Oui. Et qu'il revive. Et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Mm-hmm. Et l'esprit entra en eux. Mm-hmm. Il reprit vie. Mm-hmm. Il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mm-hmm. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est aussi une manière de nous prouver. Comment se passe pour se produire le processus de la résurrection dans l'esprit de l'homme? Dieu envoie sa parole. C'est pourquoi on dit, nous croyons à la parole de la foi. Dans Romains 18, c'est à la parole de la foi que nous croyons. Cette parole est près de ton cœur. Lorsque tu reçois cette parole, lorsque tu as foi en cette parole, lorsque tu crois en cette parole, c'est cette parole qui joue le rôle, c'est lui qui fait le geste. Ce n'est pas toi. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas vous qui allez faire accomplir le rôle de la régénération ou du renouvellement de votre esprit ou même de la résurrection de votre esprit. C'est Dieu par sa parole qui peut ressusciter le corps de l'homme ou l'esprit de l'homme. C'est par la parole de Dieu que Lazare a été ressuscité. Je parle de Jésus. Et c'est aussi par la parole de Dieu que les nerfs ont été reconstitués dans Ézéchiel 37. Les nerfs de toute l'armée qui était desséchée, de morte, et qui était desséchée. Les nerfs de ces soldats d'Israël qui était fort, qui était toute la maison d'Israël, mais qui est tombée. En réalité, c'est juste une illustration pour montrer qu'en réalité, Dieu peut ramener à la vie ce qui est mort. Et il le fait uniquement par l'envoi de sa parole. Donc nous comprenons que cette œuvre appartient à Dieu. C'est pourquoi j'appelle cela un mystère. La résurrection est un grand mystère. Et cette résurrection concerne tout. Il concerne le domaine spirituel, il concerne aussi le domaine physique, matériel et charnel.
Donc Dieu peut ressusciter la chair, il peut ressusciter le corps, mais il peut aussi donner vie à l'esprit. C'est pourquoi vous allez regarder dans ce texte, le texte qu'on a lu, qu'il a parlé des trois éléments. Il a parlé de la peau, il a parlé de la chair, il a aussi parlé de l'esprit. Parce qu'il faut qu'il reconstitue tout. C'est la manière dont il a créé Adam, la manière dont il a formé l'homme depuis le commencement qu'il a fait. Il était obligé de montrer à son prophète, à son serviteur Ézéchiel, comment il a créé l'homme. Il a d'abord envoyé la chair, il a d'abord envoyé les nerfs, et il a formé un plus beau pour donner forme à l'homme. Parce que l'homme est comme une énergie. L'homme est une énergie. C'est une énergie, c'est puissant. Donc Dieu a formé un corps pour maintenir l'homme. C'est comme une prison. On a pris le corps, l'homme, et on l'a mis en prison. Donc vous êtes en prison là où vous êtes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? C'est quand tu vas mourir que tu sortiras de la prison. Que tu seras relâché. C'est pourquoi les morts ont la haute connaissance. Ils connaissent toutes choses. Personne ne peut le dire. On ne peut le dire, ça c'est ça. Mais ils savent en même temps. C'est pourquoi dans les spiritualités, les mauvaises spiritualités, on invoque l'esprit des morts pour faire des choses, pour donner des révélations ou pour même poursuivre, tuer les gens. Pourquoi? L'esprit, quand l'esprit est relâché, l'âme sort du corps, il devient, il connaît, il peut aller partout, il peut explorer tout parce qu'on le libère. C'est comme quelqu'un qu'on a étouffé dans une bouteille, mais qu'on a relâché. Donc le corps est l'enveloppe qui maintient l'homme. C'est pourquoi l'homme est spirituel. L'homme ne peut pas vivre selon la chair. Et étant dans le corps, Dieu peut nous permettre de vivre des choses extraordinaires. Ça veut dire quoi? Nous savons le corps physique, qui est le matériel, qui a emprisonné notre esprit, qui a gardé notre âme en captivité. Mais par la méditation de la parole de Dieu, la connexion avec Dieu, lorsque notre esprit commence à grandir et à être régénéré en nous, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être dans le corps, mais Dieu peut amener notre esprit à vivre des choses surnaturelles, des expériences vivantes et surnaturelles. Ça veut dire quoi? Nous sommes charnels, nous savons le corps, mais en réalité, nous savons, nous sommes beaucoup plus spirituels. Dans le terme, dans le sens où notre dimension spirituelle domine sur notre dimension charnelle. Nous vivons dans le corps, nous nous levons, nous allons au travail, mais en réalité, nous sommes connectés à un autre monde. Et ce monde, c'est le monde du royaume des cieux. Donc, nous ne sommes plus comme des hommes secs ou des hommes naturels. C'est pourquoi tu vas remarquer que quand tu dors et tu fais un songe, tu sens que rien ne t'arrête. C'est comme si tu es illimité. On ne peut te limiter dans le songe. Qui remarque ça? Qui sent ça? C'est comme si dans le songe, tu as toutes les connaissances. Tu connais tout en même temps. Tu sais tout. On ne te dit pas, mais tu sais que c'est tel frère que je suis en train de voir. Tu sais que ça, c'est comme ça. C'est comme si on te l'a déjà expliqué. On ne t'a rien expliqué, mais c'est inscrit en toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à ces pharisiens qui lui posaient la question au sujet de ce que va devenir une femme qui a été mariée à cet homme sur la terre. Il dit, mais qui sera son mari à la fin? Et le Seigneur lui dit, il leur dit quoi? Vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas l'Écriture, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, parce qu'au jour, dans le royaume des cieux, mais dans le ciel, les hommes seront semblables aux fils de Dieu, c'est-à-dire aux anges. Quand tu portes cette nature, tu n'auras plus le désir d'aller avec une femme, tu n'auras même plus le désir de manger comme tu manges sur la terre. Tu ne parleras même plus par la bouche, parce que dans l'esprit, dans le royaume des cieux, ce n'est pas par la bouche que l'on parle, mais c'est par les pensées que l'on parle. C'est pourquoi, à partir de maintenant, commence à maîtriser, à contrôler tes pensées. Commence à gouverner tes pensées par la parole de Dieu et par l'application de la parole de Dieu. Parce que lorsque tes pensées, tu les laisses divulguer, tes pensées deviennent comme quelque chose qui sonne, quelque chose qui produit un son, qui produit des éclats. Ça peut être des mauvaises pensées qui parlent contre toi ou de bonnes pensées qui parlent pour toi dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, dans la sorcellerie, les sorciers ne communiquent pas par la bouche. Est-ce que c'est faux? Mais ils communiquent par quoi? Ils communiquent par l'esprit. Tu pries avec lui, vous priez, vous envoyez le feu. Mais quand vous finissez, ils te disent, ils arrivent, je les vois. Quand vous étiez en train de prier pour moi, je parlais avec eux.
Mais lui, il est là. Peut-être qu'il a les yeux ouverts. Ou même il pleure là. Ou même tu le frappes. Ou bien il tombe même. Mais il est ailleurs. Il parle avec d'autres personnes. Et ils disent, ils me parlent. Ils disent, peut-être même, tu le vois, ils disent, je ne viens pas, je ne viens pas. Tu dis, ils sont où? Mais il ne peut pas te dire. C'est une autre dimension. Et nous, étant enfants de Dieu, le Seigneur veut nous amener à cette dimension. Pour que nous puissions travailler en esprit. En ce moment, les sorciers ne peuvent pas nous dominer. Les sorciers ne peuvent pas régner sur nous. Le monde des ténèbres saura que nous sommes aussi des hommes et des femmes spirituelles. Parce que nous avons la connaissance des choses spirituelles. Ce qui fait, je vais le répéter encore, ce qui fait de toi un homme spirituel, c'est la connaissance que tu as des choses spirituelles. C'est le niveau de connaissance que tu as. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens se trouvent vulnérables devant la sorcellerie, devant les yeux des ténèbres, parce que les sorciers, ils les voient, et ils les tamisent, ils les jaugent. Ils voient qu'ils n'ont aucune base, aucune connaissance même, aucune base pour décoller dans la spiritualité. Et c'est pourquoi parfois on a un sorcier qui a bouffé l'enfant d'un enfant de Dieu, qui a mangé un enfant de Dieu ou qui a tué un enfant de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle ne prie pas. Cette personne prie pas la langue même. Mais le sorcier l'a tué. Pourquoi? Parce que cette personne ne connaît pas les choses spirituelles. Son esprit dort toujours. Elle croit en Jésus, mais son esprit n'est pas réveillé. Et le diable, sachant cela, utilisant son ignorance, l'a atteint. Jésus, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que son esprit est toujours mort. Parce que son esprit n'est pas réveillé. Parce que son esprit dort toujours. Il dit, réveille-toi toi qui dors. Ephésiens 6, 14. Réveille-toi dans les morts et Jésus-Christ t'éclairera. Jésus éclaire quoi? Jésus n'éclaire pas le corps matériel. Jésus éclaire l'esprit. Réveille-toi dans les morts. Ressuscite-toi. Vous voyez que c'est encore une autre parole qui est sortie. Parce que pour que Dieu réveille, il faut qu'il lance sa parole. Et lorsque la parole donne vie et ramène à la vie tout ce qui était déjà mort. C'est comme ça, même à la dernière résurrection, tous ceux qui sont morts, par la parole de Dieu, reviendront aussi à la vie. Et le Seigneur a parlé de ça aussi dans la suite. Alléluia. Qui comprend ce que nous sommes en train d'enseigner? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas me lire aussi Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Oui. J'ai le nom de Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps au cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je répandrai sur vous une pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure. Et de toutes vos histoires. Cette opus, c'est la parole de Dieu toujours. Il vient. Et cette parole crée un renouvellement. C'est un changement. En même temps, un changement de connaissance, un changement des choses qui étaient en nous, qui sont peut-être des enseignements qu'on a reçus, des enseignements tordus, des pensées mauvaises, des doctrines impures, des doctrines qui ne nous sauvent pas, que nous avions. Donc quand cette parole vient, elle nous lave, elle enlève tout. Et après, on devient à l'état pur. Il met en nous maintenant un cœur nouveau et un esprit nouveau. Son esprit aussi viendra s'ajouter. Donc il nous donne un esprit nouveau qui ressuscite. C'est ça la résurrection de notre esprit. Et quand on parle de la régénération, c'est l'esprit de Dieu qui vient animer l'esprit de l'homme. L'esprit est mort. Et pour qu'il soit ressuscité, il faut une charge spirituelle qui est plus forte que l'esprit de l'homme. Ça, c'est une manière pour vous expliquer. Qu'il faut une charge pour maintenant donner vie à celui qui est mort. Donc c'est comme Dieu est la connexion intarissable. La source qui ne tarit jamais. La source de l'énergie même. Et voilà que l'énergie de l'homme a été à la quitter. Il a perdu sa force, il a perdu sa vie, il a perdu son énergie. Donc l'énergie de Dieu viendra maintenant toucher son énergie qui ne vit plus. Pour lui donner maintenant vie. Et il faut que l'homme
à partir de ce moment, demeure toujours attaché à l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est en ce moment que l'homme vivra pour toujours. Et si quelqu'un n'est pas régénéré en lui-même, n'a pas connu la résurrection de son esprit ou dans son esprit, cette personne ne peut pas être enlevée ou cette personne ne peut pas aller au ciel. C'est pourquoi Jésus dit que c'est, nous serons comme des esprits au ciel. Après notre mort, nous serons comme des esprits avec Dieu, comme des anges dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous serons transformés et serons des hommes nouveaux, des hommes changés. Alléluia! C'est une prophétie qui a été aussi annoncée. Et cette prophétie concernait non seulement le peuple de Dieu, mais concernait aussi toute l'humanité. Parce que nous le savons, vous le savez aussi, Dieu a choisi un peuple. Il a pris le peuple comme modèle. Et tout ce qu'il a fait avec le peuple, c'était une histoire qu'il veut former avec les hommes. Donner aux hommes pour leur montrer la manière dont il agit, la manière dont il travaille avec l'humanité. Vous allez me lire le livre de Jean 1. Jean 1, le verset 12. C'est pourquoi je parle toujours de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui croit en la parole de Dieu? Qui croit en la puissance de la parole de Dieu? Dis, je crois en la puissance de la parole de Dieu. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Vas-y. Jean 1, verset 11. Jean 1, le verset 11. 12 et 13. Jean 11, verset 11 à 13. Tu dis au nom de Jésus. Jean 1, verset 11 à 13. Tu dis au nom de Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as lu le 11? Oui. Reprends, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 11 à 13, du nom de Jésus. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. La prophétie de Ézéchiel 37 et 36, qu'on vient de lui, se sont accomplis à l'arrivée de Jésus pour Israël. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, elle est venue, cette parole, où l'Éternel disait, parle à ses oreilles. Toutes ces oreilles que tu as vues sont quoi? Ou bien toute cette année, c'est l'ensemble de la maison d'Israël. Or, ici, on dit qu'elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Donc, la maison d'Israël n'a pas reçu la prophétie de Dieu qui devait s'accomplir et qui a été annoncée aux prophètes de Dieu. Donc, ils ont rejeté la prophétie. Et la prophétie a été donnée maintenant à l'endroit de tous ceux qui vont l'accepter. Et c'est à ce moment dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu donne maintenant le pouvoir. Qui donne la parole de devenir enfant de Dieu? Pourquoi? La parole fait naître. La parole donne vie. Quand Dieu parle, il donne vie. Et ceux qui reçoivent cette parole reçoivent la vie de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils deviennent quoi? Enfant de Dieu. Tout ce qu'on dit dans cette lettre a une précision. Tous les mots, toutes les paroles ont une précision. Et on doit noter la précision. On nous dit qu'il devient enfant de Dieu. Pourquoi? Il vient de naître. De la parole. Ils viennent de naître par la parole qu'ils ont entendue, par la parole qu'ils ont reçue. Ça veut dire quoi? Leur esprit adamique n'existait plus. Leur esprit de Adam n'est plus là, mais ils ont reçu un esprit nouveau qui fait qu'ils sont devenus des enfants de Dieu comme Adam était depuis le jardin d'Éden. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur faut maintenant? L'esprit
reçu nouvellement et qui a été changé par la parole de Dieu. Et c'est lorsqu'ils sont connectés à l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, instruits par l'Esprit de Dieu, qu'ils grandiront maintenant dans la foi, en écoutant la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu les changer, les nourrir. Cette parole sera quoi? Va les faire croître, va les faire grandir, va les faire grandir, va les nourrir jusqu'à ce qu'ils atteignent une stature où ils seront appelés des fils de Dieu. Donc ils sont d'abord enfants de Dieu, pas le pouvoir de la parole qu'ils ont reçu. Mais ils deviendront fils de Dieu par la connaissance de la parole. On est enfant de Dieu par le fait qu'on reçoit la parole, ou bien par la reconnaissance de la parole. Mais on devient fils de Dieu par la connaissance de la parole. Qui comprend ça? Ce qui comprend, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc nous comprenons très bien que c'est un travail minutieux que l'Esprit Dieu lui-même s'est donné. Dieu, c'est son œuvre. Tout ce dont parle depuis, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Quand on parle du mystère de la résurrection, c'est une œuvre divine, du début jusqu'à la fin. L'homme n'intervient pas, l'homme ne peut rien faire pour donner vie à ce qui est mort. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est la foi en la parole qu'il lance. Dieu envoie la foi. Non, Dieu envoie la parole. L'homme donne la foi pour que cette parole, avec la foi, puisse produire le miracle. Donc si l'homme ne laisse pas sa foi se manifester face à la parole de Dieu deviendra comme une parole qui n'a pas de pouvoir. Or, la parole est puissante. Mais c'est l'homme qui n'a pas donné de vie à cette parole qu'il a reçue. Donc Dieu peut t'envoyer une parole dans une situation où tu sens que tout est sombre, où tu sens que tout est terminé, tu sens que tu es déjà mort et que c'est fini pour toi. Dieu, tu nécessites seulement une parole de Dieu pour vivre ou pour sortir de la situation. Mais quand Dieu t'envoie la parole, tu négliges, tu laisses cette parole passer. Tu ne donnes pas vie à cette parole, tu ne crois pas à cette parole. Tu dis non, tellement que tu es concentré sur la situation que tu te laisses engloutir. Dieu peut donner la parole par une étude biblique, par une méditation, une étude biblique, ou par une prédication, ou par un homme de Dieu qui te parle, ou même par un frère ou une soeur avec qui tu échanges. Et Dieu lance la parole. C'est à toi d'être en éveil parce que désormais ton esprit est renouvelé, changé. Et parce que ton esprit est renouvelé, changé, tu peux reconnaître maintenant les paroles de Dieu. Pourquoi? Tu es né de la parole de Dieu. Dis à ton frère, parce que tu es né de la parole de Dieu, tu as la capacité de reconnaître et de croire en la parole de Dieu. Parce que tu es né de Dieu, tu as la capacité de reconnaître, de connaître et de croire en la parole de Dieu. Il y a la reconnaissance et aussi la connaissance et aussi la foi. Donc celui qui reconnaît, Dieu fait de lui enfant. Celui qui connaît, Dieu fait de lui fils. Et celui qui a la foi, Dieu fait de lui. Il fait de lui. Il fait de lui. Hein? Oh, acclamez pour la maman, acclamez le Seigneur pour sa vie. Dieu fait de lui un Dieu. Parce que Dieu, il fait tout par la foi. Parce que vous savez que Dieu aussi croit. S'il n'a pas la foi, il ne peut pas nous demander la foi. Parce que Dieu voit avant que nous nous voyons. Dieu, en réalité, il conçoit tout en lui parce qu'il croit à l'existence de ces choses. Parce que tout ce qui est créé en réalité n'existait pas, mais existait en lui. Donc, il a imaginé. C'est pourquoi toi aussi tu dois commencer à concevoir dans ton esprit. Est-ce que vous savez que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, a d'abord été imaginé ici? Même ceux qui ont créé l'avion, ceux qui ont fait le ventilateur, ils ont cru à l'existence de ce ventilateur avant que cela ne se manifeste. Donc toi aussi, tu peux donner vie à ce qui n'existe pas dans la réalité depuis ton esprit. Parce que tout se passe dans ton esprit. Tu donnes vie d'abord à la chose.
choses avant que ces choses ne se manifestent. Donc Dieu aussi, d'abord, croit à une autre chose par sa parole et aussi par la préscience qu'il a de concevoir une chose dans son esprit avant de pouvoir les manifester. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Et si nous nous connectons à ce Dieu, nous allons vivre des choses puissantes, des choses surnaturelles. Est-ce que tu es prêt à vivre des choses puissantes avec Dieu? Qui sent une délivrance, qui sent une libération en lui, qui lui permet de commencer à vivre de grandes choses avec Dieu? Je vous dis la vérité, si vous recevez ces enseignements avec toute votre attention, tout votre amour, tout votre cœur et votre foi, vous allez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que l'homme spirituel ne force pas les choses. L'homme spirituel est dans la connaissance et la maîtrise des choses. Lorsque tu maîtrises, tu connais, tu ne te dérages pas, tu ne forces même pas les choses. Ta prière n'est pas une prière de où tu forces, où tu cries seulement. Parce que Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles, les vraies paroles, comme les pharisiens. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et Dieu qui est dans ta chambre, va t'écouter, il va t'exaucer. Pourquoi? Parce que la prière est spirituelle. La prière que Dieu, la prière normalement du vrai christianisme, ce n'est pas quand nous crions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La prière, la vraie prière, ce n'est pas quand nous prions. Nous crions, Seigneur, fais-moi ça. Non, ça c'est d'abord le niveau bas. C'est bon, vous devez prier comme ça. Je ne vous interdis pas de prier comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vous interdis pas, vous devez prier comme ça. C'est ce qui est en nous qui se manifeste. Mais ceux qui veulent grandir avec Dieu sont ceux qui prient en esprit. Amen. Sont ceux qui développent leur esprit par la méditation de la parole de Dieu. Amen. David dit, je médite sous ma couche, je méditais les paroles de l'Éternel, je méditais les psaumes, je méditais les cantiques de l'Éternel. Pourquoi est-ce que David a écrit toutes ces choses? C'est parce que David a pris le temps de méditer. David ne crie pas longueur de journée, mais David médite en lui. Il médite profondément des choses spirituelles. Il médite profondément de la parole de Dieu. En ce temps, il n'y avait pas tellement une lettre, ou bien il n'y avait pas les psaumes qui sont écrits. C'est par la méditation que David a écrit tous les psaumes et toutes les paroles que nous lisons aujourd'hui qui nous font du bien. On se demande comment David connaît Dieu à tel point. C'est parce qu'il a développé son esprit. Il a développé son esprit et son esprit connaît les choses de Dieu. Parce que je vous ai dit, l'esprit de l'homme connaît Dieu. On n'a pas besoin d'apprendre à l'esprit de connaître Dieu. C'est pourquoi il dit, je mettrai en vous mes paroles. Parce que c'est dedans qu'il met ses paroles. Et il dit, on ne vous apprendra plus à connaître l'Éternel. On ne vous dira plus connaître l'Éternel. Tu ne diras plus à ton frère connaître Dieu. Pourquoi les paroles de Dieu seront semées en lui et seront semées dans son esprit, semées dans son cœur, par la nouvelle naissance et la régénération. C'est pourquoi je vous dis de ne plus vous voir comme des enfants. Ne vous voyez plus comme des petits enfants. Ne vous voyez plus comme des gens qui ne connaissent plus. Non, vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu grand. Et c'est parce que vous ne considérez pas le grand Dieu que vous avez que vous vivez encore les choses que vous vivez. C'est parce que vous ne maîtrisez pas ces choses que vous vivez encore ce que vous ne devez pas vivre. Tout ce que nous disons sortit dans la connaissance. Et comme nous l'avons dit le premier jour, dans l'humilité. Celui qui n'est pas humble ne peut pas recevoir ses paroles. Parce que c'est comme des éléments qui viennent briser le cœur de la chair, qui font tomber la chair, qui anéantissent le pouvoir de la chair, pour que l'esprit maintenant prenne de l'envol. Parce que tu dois être en communication avec le Seigneur. Je vais te donner un exemple. Lorsque tu veux prier seul, et que toi, tes prières tout le temps, c'est quand tu cries, tu pries, tu parles, tu cries, comment est-ce que tu vas entendre la voix de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu pries, tu veux demander quelque chose. Seigneur, donne-moi. Seigneur, et tu pries, tu cries seulement. Comment est-ce que tu vas écouter Dieu te parler? C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils prient seulement. Ils prient comme un feu. Ils prient. Mais ils ne laissent pas Dieu lui parler. Or, la prière, c'est la communication entre Dieu et l'homme ou celui qui prie. Quand tu pries aussi, reste silencieux. Entre en esprit.
et le Seigneur va te parler. Amen. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça. Mais lorsque tu pries, tu multiplies comme les pharisiens. Ils multiplient des paroles. Ils multiplient des paroles seulement. Ils parlent, ils chantent des paroles. Parce que pour eux, c'est la lecture de la loi, la lecture des paroles. À force de paroles, pour eux, Dieu va les exaucer. Oh, ce n'est pas ça. On n'attend pas les ossements. Les hommes spirituels n'attendent pas les ossements. Ils prient en étant exaucés. En même temps, ils savent qu'ils ont les ossements. Parce que la méthode qu'ils adorent ne leur donne pas, ne leur apprend pas à attendre les ossements. Parce qu'ils détiennent les ossements en même temps. Parce que les prières qu'ils formulent devant Dieu sont des prières qui leur donnent en même temps les ossements. C'est comme ça que tu commences à comprendre les choses de Dieu, à être beaucoup plus en contact avec Dieu. Tu peux rester silencieux et faire 30 minutes et dire, Seigneur, parle-moi. Amen. Parle-moi. J'ai fait 3 jours de jeûne en criant. Maintenant, je vais faire 1 heure de temps pour que Dieu me parle. Ces 1 heure de temps seront comme des milliers d'années ou de connaissances que tu vas accumuler. Parce qu'en esprit, 1 seconde vaut 1000 jours ou même vaut des milliers de jours ici sur la terre. Ceux qui ont vécu déjà cela peuvent le témoigner. Tu as passé 1 minute de sommeil. Et tout ce que tu as vu dans le songe, quand tu commences à raconter, ça peut faire 1 heure de temps. Combien je mens? Ça veut dire qu'en esprit, les choses sont différentes. C'est dans le corps que nous sommes limités. Mais en esprit, tu peux passer toute une éternité du corps. Ou qu'on peut passer dans le corps en seulement 5 minutes. Parce qu'on te montre tout en même temps. Voilà pourquoi ceux qui travaillent beaucoup dans la révélation, il suffit qu'on leur montre juste un bouton. Quand ils descendent, ils vont tout expliquer. Pourquoi? On n'a pas besoin de leur montrer tout. Mais un symbole seulement. Quand ils reçoivent l'esprit de la révélation, ça commence à couler. Parce que Dieu commence à parler en eux. Leur esprit capte. Et ils ont appris à laisser leur esprit entendre Dieu. Écouter Dieu. Et là, la chair ne parle plus. La chair est vaincue totalement. Toi qui dis comment écouter Dieu, je veux écouter Dieu, comment apprendre à écouter Dieu. Tu as prié, laisse Dieu aussi te parler. Amen. Dieu va te parler dans ton cœur. Amen. Tu finis de prier, ferme ta porte, c'est-à-dire ferme la porte de ton cœur et laisse le Seigneur parler dans ton cœur, dans le lieu secret. Quand tu cries, tu cries, tu cries, tu cries, les voisins vont entendre, les petits sorciers du quartier vont entendre. En même temps, ils vont commencer à bloquer ta prière. Donc, arrivé à un moment, les choses secrètes que tu veux demander à Dieu, ne les formule pas en criant. Parce que tu n'es pas fait de chair. Tu es fait d'esprit. Et tu es esprit. Tu es divin, l'esprit de Dieu en toi. Donc formule les vœux dans ton cœur. Et crois en cela, tu verras l'accomplissement. Facilement. Tu vas marcher avec Dieu simplement et facilement. Comment est-ce que Dieu parlait avec un apparent? Comment est-ce que Dieu parlait avec nos premiers pères? Il ne parlait pas dans leur esprit. Ils savaient, Dieu leur parlait dans leur cœur. Parce que c'est le cœur qui est le lieu secret. C'est pourquoi on dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie viennent du cœur. Les ossements à tes prières sont dans ton cœur. Et tu ne sais pas, tu cherches Dieu autour de toi. Or Dieu se trouve en toi. C'est pourquoi l'homme qui est régénéré est plus puissant que toute chose sur la terre. Parce que l'Esprit de Dieu vient s'agiter à son esprit. Or, il y a des hommes qui font des merveilles, qui opèrent des grandes choses et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu agité à l'Esprit, mais qui travaillent uniquement avec l'Esprit de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ceux-là que j'avais appelé hier des hommes spirituels. Ils sont spirituels, mais leur spiritualité est limitée à l'esprit humain qu'ils ont. Ils travaillent seulement avec leur propre esprit. Et ils font de grandes choses. Parce qu'ils ont appris certaines lois spirituelles. Mais toi, tu n'as pas seulement ton esprit. Tu as l'esprit changé. Ce n'est pas l'esprit souillé d'Adam. Mais l'esprit changé qui n'est pas corruptible, qui n'est pas impur. Et à ça maintenant, l'esprit de Dieu s'ajoute. Tu dois faire une grande chose. C'est pourquoi Jésus, quand il a donné toutes ses connaissances à ses disciples, les disciples, après son ascension au ciel, ont opéré de grandes choses. Parce que toutes ces choses, Jésus l'enseignait à ses disciples dans la cachette. Il enseignait à ses disciples dans la cachette. Quand il rassemble la foule, il dit des énormités, il parle seulement. Il dit des paroles que personne ne peut comprendre. Mais lorsqu'il se retrouve
avec les disciples, il leur dit les choses. Et c'est tout ce que Jésus leur a appris qu'ils ont fait, qu'ils ont écrit dans les épîtres. Ils ont écrit après. Parce qu'ils ont connu Dieu. Et Paul, lui, il a connu par révélation. Donc, lui, il a eu accès à toutes ses connaissances, mais en esprit, parce qu'il a reçu tout divinement. Et c'est lorsque tu commences à croire en esprit que Dieu commence à faire des expériences avec toi. Que Dieu commence à te montrer des choses. Que Dieu commence à t'amener soit au ciel pour aller voir les choses qui sont au ciel. Et je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu te montrera le plus, c'est le ciel. C'est les choses d'en haut. Parce que c'est là-bas qu'on nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Jésus ne viendra pas t'amener. Aujourd'hui, il t'amène en enfer. Demain, il t'amène en enfer. Il dit, il a fermé la porte du séjour des morts et la porte de l'enfer. Pour ne pas aller en enfer, ce n'est pas en enfer qu'il faut qu'on t'amène. C'est au ciel qu'il faut qu'on t'amène. Lorsque tu as la connaissance des choses du ciel, l'enfer est fermé pour toujours. Amen. Mais lorsqu'on t'amène tout le temps en enfer, tu es attiré par l'enfer. Et l'enfer peut venir encore sur toi. Le Seigneur peut te montrer les choses de l'enfer, peut te montrer les choses de la mort qui tue les hommes. Mais le Seigneur ne passera pas son temps à te montrer les choses de l'enfer. Parce qu'il a semé la peur en toi. Mais Dieu, après t'avoir ouvert les yeux sur les choses des ténèbres, il va maintenant investir les choses d'en haut en toi, les choses célestes en toi, pour que ton esprit grandisse et atteigne la statue parfaite de Christ. Qui veut monter en esprit avec Jésus? Tu reçois l'esprit de Dieu au nom de Jésus. On va continuer. Lisez-moi le livre de 1 Corinthiens 2, verset 12. Celui qui a Jésus a la résurrection. Amen. On avait déjà vu ça dans Jean 11, 7. Parce que Jésus lui-même est le symbole de la résurrection. Oui. En Corinthiens chapitre 2, verset 11, dit le nom de Jésus. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Oui. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Moi je dis, c'est les choses de Dieu que tu dois connaître. Quand tu commences à vivre par l'esprit, tu connais les choses de Dieu. Tu connais les choses de Dieu. On ne te l'apprend pas, mais tu connais les choses de Dieu. Les choses de Dieu s'appliquent à toi. Et la pratique des choses de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Parce que l'homme spirituel ne force pas les choses. Quand plus tu deviens spirituel, plus tu la pratique de la parole de Dieu devient simple pour toi. L'homme charnel, quand il te voit, il apprend que c'est mais toi, tu n'es plus à son niveau. Parce que dans sa dimension, les choses semblent être difficiles. Mais dans la dimension de l'esprit, les choses ne sont plus difficiles. Toutes les barrières sont ôtées à cette dimension-là. Dis à ton frère, monte en esprit. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mais tu as reçu l'esprit de Dieu. Tu as reçu l'esprit de Dieu. On a déjà vu, hein, mais il faut revenir sur ça. 1 Corinthiens 2, 14 et 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 et 15, le nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, oui. Et il est le même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Nous devons savoir ceci, que tous ceux qui sont dans le monde n'ont pas encore reçu la résurrection de leur esprit. Leur esprit est toujours dans les ténèbres, agonisant, pleurant et criant au secours, au Seigneur, demandant grâce pour grâce. Et le Seigneur viendra lui-même pour les sauver lorsqu'il croit en sa parole. Tout le monde n'a pas l'esprit changé. C'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu par la foi qui ont leur esprit changé, leur esprit renouvelé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La résurrection de l'esprit est aussi semblable au baptême. C'est aussi une autre forme de baptême que nous recevons. Quand nous voyons le symbole du baptême, on te plonge
et on te ressort. Ça veut dire quoi? Tu meurs et tu reviens à la vie. Cette même chose se passe en esprit en nous. C'est-à-dire Dieu, par le baptême de régénération, vient régénérer notre esprit et vient nous donner la vie parce qu'il nous fait mourir avec Jésus et nous redonne la vie avec lui. On va lire ça dans Colossiens 2:12. Colossiens 2:12. Colossiens 2:12. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 12. J'ai lu le nom de Jésus. Ayant été ensemble avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Là, vous comprenez? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, c'est le baptême de l'ensevelissement. Le baptême qui sauve, en réalité, c'est le baptême qui se passe en esprit. Vous êtes mort en lui par le baptême et vous devez ressusciter en lui aussi par le baptême de la régénération que vous allez recevoir. Et vous êtes ressuscité par la foi en la parole de la puissance ou en la puissance de Dieu. Cette foi produit en vous la vie de Dieu qui ramène votre esprit en vie. Ça se passe automatiquement pour certains et ça se passe comme étant un processus pour d'autres. Ça se passe automatiquement pour ceux qui, lorsqu'ils ont reçu la parole, peut-être un événement marquant, un événement tellement prodigieux s'est passé, où ils ont été émus, tellement touchés par la parole, que leur foi a été engendrée en eux. Ils ont reçu une foi qui a reçu, a accepté en eux la parole de Dieu. Tellement qu'ils ont cru à cette parole, Dieu, dans leur esprit, change tout. Ils renouvellent tout en même temps. C'est comme s'ils passent de cette vie à une nouvelle vie. Mais ils sont toujours sur la terre, mais ils ont reçu une nouvelle vie en eux. Ils vivent une nouvelle vie. Ils vivent la vie céleste sur la terre, mais par leur esprit. Mais ceux qui ont reçu juste la parole, mais qui n'ont pas reçu avec une foi ferme, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas accroché à cette parole la foi, ils sont dans le processus. Parce qu'ils n'ont pas encore connu réellement Dieu. Ils sont dans le processus et le Saint-Esprit les conduit dans le processus, Et arrivé à un moment, ils naissent réellement d'esprit. Par quoi? Par la parole. Le processus, dans le processus, c'est la parole qui continue à travailler sur eux. C'est comme ça qu'il y a plusieurs qu'on invite seulement à l'église. Qui n'ont pas reçu une parole de foi pour croire et pour être changé ou renouvelé dans leur esprit. C'est juste des gens, peut-être tu l'as invité. C'est ta tante, c'est ta maman, c'est ta soeur, c'est ton frère. Tu l'as invité à l'église. Il est venu à l'église pour suivre le culte. Donc il ne sait pas de quoi vous parlez. Donc lui, c'est à chaque fois qu'il vient à l'église, au dimanche, le dimanche ou les jours de rencontre, qu'il entend l'applicateur, l'application du pasteur ou des hommes de Dieu. Il croit en la parole le renouvelle, la parole le change, la parole le transforme peu à peu. Et maintenant, il devient un homme nouveau et il naît réellement de Dieu. Mais il y a des gens qui ont reçu la parole par une prédication de puissance. Et automatiquement, ces personnes ont cru. Et quand ils ont cru, ils ont été changés. Et cette foi produit en eux une puissance qui se manifeste à l'instant même. C'est là qu'on voit les guérisons qui commencent à s'opérer. Parce que ça montre que nous appartenons à une vie dont le pouvoir est plus, le pouvoir est plus grand que la vie auquel nous appartenions il y a déjà quelques moments. C'est-à-dire que nous appartenons à une vie où Dieu opère différemment de la vie où nous étions. Nous passons de la vie, de la mort à la vie, où nous passons d'une vie éphémère à une vie spirituelle. Et après, nous allons passer d'une vie spirituelle aussi à une vie éternelle. Mais celui qui a accès à la vie spirituelle a comme un garantie, un gage et une promesse de vivre la vie éternelle avec Dieu.
On va revenir un peu vite dans Romains 12, 2, Éphésiens 4, 22, 23, 24. On va aller un peu plus vite. Le temps est en train de nous surprendre. Romains 12, verset 2, je dis le nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, Éphésiens. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Tant que vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence, vous ne pouvez discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon selon Dieu et ce qui est parfait aussi selon Dieu. Éphésiens 4, 22, 23 et 24. Éphésiens chapitre 4, 22 et 24, je vais vous le dire. Eu égard à votre vie passée, je vais homme qui se corrompt par une convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est quand je parle de la résurrection. Dieu crée un événement par sa parole qui vient maintenant recharger l'esprit de l'homme et qui le révèle, qui lui donne la vie. C'est ça la résurrection. Et c'est ça qu'on appelle aussi le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence qui se passe par la parole. Parce que l'esprit est là, il n'est pas renouvelé. Et la parole vient, il change, il le transforme en même temps. Hein? Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Dans une justice. Et une sainteté qui produit la vérité. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La vérité de la parole. Qu'il a reçue par la foi. Cette vérité, c'est la parole de Dieu qui lui a été envoyée. Et c'est la foi qui reçoit la parole et qui prend la parole puissante dans la vie de celui qui la reçoit. Et cette parole vient maintenant ressusciter cette personne. Et ça, cette personne devient une personne nouvelle. Et il révèle l'homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est qui? Cet homme nouveau, c'est qui? Cet homme nouveau, c'est qui? Vous êtes étonnés. Cet homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Cet homme nouveau, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit le premier Adam est une âme vivante et le deuxième est un esprit vivant. C'est lui l'homme nouveau. C'est lui le deuxième homme. C'est lui le dernier homme. Or, l'autre, c'est le premier. Ce qui est premier est chané, est vaincu. Et ce qui est, est le deuxième, ce qui vient après, est vivant et est spirituel. Et c'est ce qui est le deuxième que vous devez avoir. C'est l'homme nouveau que vous devez avoir. Et quand on parle de l'homme nouveau, c'est Jésus. C'est pourquoi nous devons vivre selon le modèle de Jésus. Christ. Nous devons vivre selon le modèle parfait de Christ. Donc c'est comme ça que Dieu travaille dans le processus du renouvellement de notre esprit ou de notre intelligence. Et c'est comme ça que l'esprit de l'homme qui était mort peut renaître, peut ressusciter. Donc quand Nicodème disait à Jésus, comment est-ce qu'un homme aussi grand qu'il soit peut renaître de nouveau? Est-ce qu'il va rentrer à nouveau dans le ventre ou dans le sein de sa mère pour être à nouveau né ou conçu ou bien de qu'est-ce que tu dis en réalité? Voilà le processus, voilà comment ça se passe. C'est pas la parole qu'il reçoit qui change tout en même temps. C'est quoi Paul dit? Pas l'excellence de la foi, pas l'excellence de Christ. J'ai laissé toutes ces choses, je les ai vues comme il a pris. Pourquoi? Quand la parole de Christ est venue vers lui, il a changé, il lui a donné une nouvelle connaissance de la vie. Il a enlevé toutes les connaissances qu'il avait. Peut-être qu'il a des diplômes, Paul était docteur, grand docteur dans la loi, Paul a étudié, il a beaucoup de connaissances. Mais lorsque la connaissance de Christ est venue, la connaissance de Christ, lui, a enseigné une vie nouvelle, une vie impérissable, une vie incorruptible, une vie spirituelle et une vie éternelle. Alléluia. Qui veut vivre une vie spirituelle? Qui veut vivre étant changé dans son esprit? Alléluia. C'est la même chose que le roi David dit. Nous avons dit ça pour conclure cette partie. Dans Psaume 51, 12. 12, 13 et 14. Psaume 51, 12, 13 et 14.
Psaume 51, verset 12 à 14. Je m'en occupe. Ô Dieu, fais à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me tienne. Et qu'un esprit de bonne volonté, lui me fait quoi? Me soutient. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est passé, est parti. Nous allons, à l'entame de l'enseignement de demain, nous allons revenir sur cela et nous allons parler de la résurrection des morts. C'est-à-dire, ceux qui ne sont plus de cette vie, qui sont totalement morts et que Dieu ramènera à la vie au jour qu'il a prévu lui-même pour ressusciter tous les morts. Nous allons aussi comprendre cela. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à cette connaissance de la résurrection du corps de l'homme par le miracle, la puissance, l'amour, la compassion de Dieu. Et aussi la résurrection de l'esprit humain de l'homme qui était mort, déchu de la grâce de Dieu à cause du péché du premier homme. Alléluia.